Alors, bienvenue à notre première conférence de l'année 2019, Nature et découverte 20-40, 40 minutes pour apprendre, 20 minutes pour s'inspirer, consacrée ce soir à la pollution des océans par le plastique. Rappelons que près de 12,7 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année et tuent plus d'un million d'oiseaux et cent mille mammifères marins. C'est l'objet du livre de Will McCallum, le responsable de la campagne océan de Greenpeace Grande-Bretagne, En finir avec le plastique, qui vient de sortir aux éditions Marabout. Vous pouvez suivre notre conférence en direct sur la page Facebook de Nature et Découverte et ainsi poser toutes vos questions à nos invités. Alors, Hélène Bourge, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la campagne Océan chez Greenpeace France, oui. cette fois-ci, oui. et représentante de, de Will McCallum ce soir. Vous œuvrez au quotidien, comme lui, pour sauvegarder les océans. Vous allez nous, nous raconter votre combat. Oui. Flor Berlingen, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Zero Waste France, une des porte-paroles du mouvement et spécialiste de la démarche Zéro déchet, Zéro gaspillage en Europe. Vous allez nous expliquer également en quoi consiste votre mouvement. Alors, Hélène Bourges, ce livre, En finir avec le plastique de votre, de votre homologue anglais chez Greenpeace, est-il un fidèle compte-rendu de la réalité Est-ce que vous auriez pu l'écrire vous-même euh, je ne sais pas si j'aurais pu l'écrire aussi bien que Will l'a fait. Euh, oui, c'est malheureusement un compte-rendu fidèle de la réalité euh, concernant le constat. Le constat, mm -hmm. c'est que les volumes de plastique qui sont produits aujourd'hui chaque année euh, sont gigantesques. On fait face à une masse euh, de plastique euh, euh, telle qu'aujourd'hui, ce qui pouvait nous apparaître comme des solutions il y a quelques années... Comme le recyclage ne, ne, ne suffisent plus. Mmh. On ne peut plus se reposer sur le fait de se dire euh, bon, on va trier les déchets, on va les recycler. Euh, C'est plus possible en fait. On produit beaucoup trop euh, de plastique chaque année et en particulier des objets qui ont une durée de vie euh, très limitée. Mmh. On a tous utilisé euh, un coton-tige, euh, voilà, on le sort de son sachet, on l'utilise, ça dure quoi Quelques secondes. 10 secondes mmh. et on le jette. Euh, c'est pareil avec une paille, c'est pareil avec une touillette pour le café, c'est pareil avec des couverts jetables, avec les emballages, avec euh, tout un tas de choses et les sacs en plastique en particulier. Donc, sur le constat, c'est tout à fait vrai. Et y a un... Le bouquin explique très bien quels sont les, les impacts en fait, sur la nature et où est-ce qu'on va retrouver le plastique. Et c'est assez surprenant de. On va voir, voir ce... jusqu'où ouais. on le retrouve. On ouais. va voir ça dans le détail. Je me demandais si vous travaillez de concert au sein de Greenpeace entre les différents pays dans cette lutte contre le plastique ou est-ce que vous avez chacun des démarches différentes non, on travaille ensemble. Alors, on... ça dépend des sujets. Euh, sur le plastique, euh, il y a l'Europe qui travaille différents bureaux en Europe qui travaillent avec les États-Unis, le Canada et des bureaux aussi en Asie du Sud-Est mmh. parce que c'est un vrai problème aussi en Asie du Sud-Est le... le plastique. On a tous en tête des images de plages souillées, de plongeurs qui prennent des photos et ils nagent dans le plastique. Et, voilà. et donc on travaille vraiment à l'échelle mondiale. Et notre bureau africain aussi travaille là-dessus d'ailleurs. Alors la camp... ce que je me demandais, c'est la campagne Océan de Greenpeace, Donc vous êtes la responsable. Est-ce qu'elle est uniquement dédiée à la lutte contre le plastique Ou est-ce que, vous... est que vous cherchez uniquement à dépolluer les océans Est-ce que vous avez d'autres buts alors non, ça ne se limite pas du tout à la lutte contre le plastique. Euh, en France, moi, mon équipe travaille sur euh, des forages pétroliers offshore, pour empêcher des forages pétroliers offshore euh, de sur des zones où la biodiversité est, est unique et encore assez peu connue au large de la Guyane. Euh, je ne sais pas si, si parmi vous vous en avez entendu parler, mais Total voilà, souhaite forer et aller chercher du pétrole au large de la Guyane, alors qu'il y a un récif qu'on vient de découvrir et que les scientifiques aimeraient... Euh, Comprendre, euh, découvrir euh, avant que ça soit euh, mis en danger. Donc voilà, on travaille là-dessus aussi, on travaille sur les, les pêcheries, la surpêche, les problèmes de surpêche, euh, la pollution et puis sur le changement climatique. Et le changement climatique euh, a un impact euh, sur les océans et les océans ont un rôle pour le climat. Donc, tout ça, voilà, on travaille sur tout un tas de sujets euh, qui ont lien, un lien avec les océans. Alors Flore, quel est le but de votre mouvement Zero Waste France Est-ce que c'est de réduire les produits justement dont nous parlait Hélène, les produits jetables à usage unique Ou euh, donc est-ce que cette lutte contre le plastique jetable est-elle prépondérante c'est une de nos campagnes principales, effectivement. Euh, la lutte contre le jetable, la lutte contre l'usage unique, euh, contre le gaspillage d'une manière générale. Euh, vous l'avez bien dit, zéro waste, ça veut dire zéro déchet et zéro gaspillage. Et je le reprécise toujours parce que c'est très important pour nous. Euh, on ne travaille pas seulement sur la réduction de notre poubelle à la maison même si ça peut être la première étape, on travaille aussi sur la réduction de l'ensemble des gaspillages liés à notre mode de production. Mmh. Parce que le plastique jetable, c'est pas seulement le plastique qu'on voit et qui malheureusement termine dans la nature trop souvent, mais c'est aussi finalement toutes les consommations de matières premières, d'eau, d'énergie nécessaires pour le produire. C'est aussi la consommation de l'industrie. Et celle-là, nous, on ne la voit pas, parce qu'elle se situe bien en amont de notre, de notre consommation, de nos achats. Et c'est valable pour le plastique, mais c'est valable aussi pour tous les objets qui nous entourent et en fait qui ont un espèce de sac à dos écologique, euh, de, de, de bilan matière, de bilan énergie, bilan carbone, euh, qui, qui hein. est extrêmement important et qui est malheureusement invisible. Donc c'est plus compliqué de, de sensibiliser à cette question. Mais pour nous, voilà, c'est vraiment l'ensemble de ces gaspillages auxquels on cherche à s'attaquer avec la, le, ce mot d'ordre de zero waste. Mmh. Alors dites-moi, de quand date cette, cette prise de conscience du problème environnemental posé par le plastique Et est-ce qu est -ce que, est -ce que cette prise de conscience a surgi en même temps dans les pays occidentaux et dans les pays en voie de développement je ne saurais pas dater le, le moment de la, de, fin, des premières alertes. Euh, par contre, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une accélération euh, ces dernières années et même on pourrait dire ces derniers mois. Euh, nous, on l'a noté particulièrement euh, au printemps 2018. Il euh, euh, y a eu une, la sortie d'un documentaire en Grande-Bretagne, justement, euh, sur le, le plastique et ses effets. Euh, documentaire qui a donné lieu à une rencontre avec euh, la reine d'Angleterre du documentariste. Enfin bref, ça s'est joué sur, sur des choses. Euh, Très people, on peut dire. Mmh. Mais de fait, le, le gouvernement. Pour marquer les esprits. Oui, mais le gouvernement britannique s'est senti obligé de réagir aussi, mmh. puisque, euh, puisque la, la reine annonçait des interdits, des, 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 la suppression du plastique à usage unique dans ces domaines. Donc bref, réaction du gouvernement britannique, réaction du gouvernement euh, irlandais, et, et de fil en aiguille. Euh, ça a beaucoup servi à un autre projet qui était plus, qui était moins visible à l'époque, euh, projet de la, la Commission européenne de. de l'ancienne série d'interdiction du plastique à usage unique euh, qui a été finalement adoptée à l'automne, enfin même au, dé au début de l'hiver plus exactement. Euh, et en parallèle de ça, beaucoup de reportages cet été sur le plastique, euh, un écho médiatique euh, grandissant, qui, et, puis des, et puis après euh, au niveau français, euh, quelques émissions, alors, euh, le cache prise en de conscience, c'est un peu à la mode, <coughs> comment, comment ça se fait que c'est... Qu on y prenne garde particulièrement en ce moment. Est-ce que vous pensez que ça va retomber Est-ce que. Moi je, moi, je pense que une des raisons pour lesquelles il euh, y a une réaction si forte, c'est que le plastique, c'est devenu un symbole, un emblème, mmh. euh, c'est visible. Euh, et, et donc, ça peut, de, ça peut être oui, euh, représentatif de la pollution euh, contre laquelle il faut se mobiliser, etc. Donc, peut-être que ça explique euh, l'engouement le, par rapport à cette question bien précise. Euh, c'est qu'on peut à... tous faire quelque chose oui le plastique ça fait partie de notre vie quotidienne malheureusement mm -hmm. euh, et peut-être qu'une des prises de conscience elle vient aussi du fait qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont totalement absurdes. Il euh, y a une des choses qu'on a fait à Greenpeace qui consistait à inviter les gens à prendre en photo dans les rayons de leur supermarché les fruits et légumes emballés en plastique. Et finalement, elle leur demander de trouver le truc le plus euh, dingue qu'ils pouvaient identifier dans les rayons, donc euh, deux tranches de chou-fleur euh, dans une blister, barquette hein. en polystyrène sous blister, euh, ouais. voilà, ouais. des trucs complets. Et, et en fait, voilà, les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ouais. Euh, on n'a pas besoin de, de tout ça. Et c'est il y a des choses où c'est assez facile en fait de se passer du, du plastique, le, les sacs, euh, les tote bags, euh, les sacs en coton. Euh, on remplaçait les sacs plastiques. Aujourd'hui, ça nous paraît assez naturel d'aller faire les courses avec un sac. On part de la maison avec le sac, quoi. Bien sûr. Mais avec Flore, on a travaillé ensemble il y a longtemps maintenant. Il y a eu une dizaine d'années. Et on a fait un grand. Enfin, je pense qu'on a... on voit les choses vraiment très différemment dans le regard du public, etc. Les consciences et les mentalités ont beaucoup, beaucoup avancé sur ce sujet-là. Alors le livre insiste beaucoup sur le plastique jetable, hein, celui qui ouais. ne sert qu'une fois. Est-ce qu'il est plus polluant que les autres plastiques Il n'est pas forcément euh, plus polluant si on se place d'un point de vue euh, de la toxicologie. Euh, voilà, il est surtout inutile en fait. Il est inutile, il est très volumineux. Il y en a de plus en plus. Les... La prospective en termes de production, c'est... Pas le chiffre en tête mais c'est faramineux on va je crois tripler la production de plastique d'ici 2030 enfin c'est et on parle déjà de 300 millions de tonnes produites par an donc euh, voilà on va passer à 900 millions de tonnes chaque année euh, donc euh, c'est le, le premier on va dire la, la première étape c'est là qu'on peut s'en débarrasser c'est là qu'il faut s'en débarrasser c'est là qu'on peut s'en débarrasser dans nos vies quotidiennes en fait oui, et puis le, le plastique jetable et le, notamment le plastique des emballages, euh, il n'est pas recyclable à 100 euh, loin de là. Et malgré l'idée qu'on peut en avoir, parce que finalement l'omniprésence de la question du plastique là, ces derniers mois peut, peut parfois laisser penser que le problème est en passe d'être réglé, qu'on en a pris conscience et que maintenant on va, euh, voilà, il y a un certain nombre de mesures, énormément d'annonces côté côté des acteurs publics et puis. Côté oui, industriel également. Aujourd'hui, oui. Voilà, donc euh, avec, avec cette accumulation d'annonces euh, portant essentiellement sur le recyclage du plastique, on peut avoir l'impression que le problème est réglé, mais il n'est pas réglé du tout pour au moins trois raisons. La, la première, euh, c'est celle que vient d'évoquer Hélène, c'est qu'en fait, la production, elle continue d'augmenter, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et euh, la, la deuxième, c'est que euh, le, le, aujourd'hui, il n'existe pas de, de filière de recyclage pour l'ensemble des plastiques qui sont mis sur le marché, et notamment ceux des emballages. Et, et la troisième raison, c'est que enfin, les résines euh, qui sont mises sur le marché toujours pour ces mêmes emballages ne sont pas forcément recyclables techniquement aujourd'hui. Euh, donc, en, en fait, on se retrouve avec à peu près 50% des emballages euh, plastiques aujourd'hui qui ne disposent pas d'une... Filières ou qui ne disposent même pas d'une technologie de recyclage et qui donc sont, ils sont malgré tout. Qui sont quoi Ils sont enfouis voilà. sous terre. Euh, ben bah, alors, dans le meilleur des cas, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, euh, ils atterrissent dans notre poubelle euh, grise, enfin la poubelle, euh, elle est verte à Paris, la poubelle d'ordures ménagères résiduelles, c'est le terme mmh. euh, technique, et donc ils terminent dans une décharge ou dans un incinérateur. Mmh. Ce qui n'est pas terrible, vous en conviendrez, oui, par sûr. rapport à la, à la consommation de ressources qu'il qu y a derrière ce, cette production de plastique. Alors le livre, le livre pose un, un constat accablant, c'est qu'on a découvert donc dans les mers de l'Antarctique des débris de plastique à plusieurs centaines de, de, de kilomètres de tout habitat humain. On en trouve également dans, des, dans la fosse des Mariannes, dans l'ouest de l'océan Pacifique, une fosse qui est située à 11 km sous la surface de l'océan. Dit, donc Will McCallum nous explique qu'il y aurait déjà 150 millions de tonnes de plastique dans les océans et que le volume dans la mer pourrait excéder en 2050 celui des, des poissons. On observe aussi qu'il y a de plus en plus de plastique qui est retrouvé dans les appareils digestifs des, des animaux, des oiseaux, qu'on l'on voit transporter du plastique pour faire leur nid. Comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait Pourquoi cette production de, de plastique est-elle montée en flèche et vous dites que ce n'est pas, pas du tout en passe de s'arrêter Qu'est-ce qui justifie Est-ce que l'industrie a de plus en plus... Euh, l'utilité du plastique. Euh, il y a, différents... y a une individualisation, vous parliez des, petits, des, des, des tranches d'ananas sous blister, une individualisation comme ça de la consommation Oui, il y a du marketing. En fait, il enfin, y a un ananas, ça reste un ananas. Enfin, de l'ananas, ça reste de l'ananas. Mais si on veut revendre plus, il faut le vendre de manière différente. Mm -hmm. Et l'emballage, c'est un des piliers des stratégies marketing pour beaucoup d'objets. Donc ça, ça, ça joue énormément dans, dans nos pays, on va dire. Europe, euh, Amérique du Nord, après, euh, euh, je pense au sud-est asiatique en particulier, un moyen de vendre, euh, de toucher ces marchés pour euh, l'industrie cosmétique et les produits d'hygiène qui étaient chers pour ces euh, marchés-là, pour ces, marchés ces personnes-là, c'est de vendre des, des doses, des monodoses en fait. Donc, les personnes peuvent acheter du shampoing euh, L'Oréal et ça leur coûte pas tout cher, tout ça. ça correspond à leur euh, pouvoir d'achat parce qu'ils achètent euh, des, petites, euh, des petites quantités qui sont en plastique. Et ça, c'est euh, n'importe qui qui a voyagé dans, dans, dans ces régions-là, euh, c'est très visible, ça, ça se voit, c'est partout, c'est dans toutes les épiceries, à tous les coins de rue. Et donc voilà, ils, en fait, euh, les entreprises ont trouvé le moyen de toucher ces marchés avec leurs produits mmh. et ça passe aussi par. Euh, par la multiplication de l'emballage plastique, euh, tout ce qui est euh, emporté, vente à emporter, euh, les couverts, les boîtes, les... c'est Il voilà, ouais. y, y a encore une autre illustration, finalement, du fait que le, le plastique, c'est la conséquence euh, d'un modèle de production et de distribution qui vise euh, à, à augmenter les volumes. Euh, c'est <coughs> que euh, le, le plastique est devenu indispensable à un mode de production et distribution, notamment agroalimentaire, qui est mondialisé. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi, pourquoi la grande distribution aujourd'hui est accro au plastique mm -hmm. euh, C'est parce que les circuits se sont allongés. Euh, parce que sinon, on n'aurait pas forcément besoin de tout ce plastique à chacune des étapes. Parce qu'il y a le plastique qu'on voit euh, des emballages finaux, mais il y a aussi, malheureusement, beaucoup de plastique aussi dans les emballages secondaires euh, qui servent à, à toutes les étapes de la logistique de distribution l'emballage des palettes etc enfin bon, mmh. c'est assez, assez hallucinant rien que d'y penser et, et en fait c'est tout ce système là et, et ces énormes distances euh, qui sont à parcourir et ces temps de stockage et ces multiples euh, destinations successives des produits qui font qu'on a besoin voilà qu'on a besoin de l em, et, et, et l'emballage plastique est malheureusement majoritaire mmh. et, et donc en fait du coup, si on veut pouvoir changer de changer de, de, de enfin, limiter notre recours au plastique, il faut dans tous les cas qu'on re-questionne ce modèle de distribution là, mmh. euh, parce qu'aujourd'hui, ben, justement, les, les acteurs les plus concernés mettent en avant le recyclage parce qu'ils savent ils savent très bien que pour l'instant, ils sont complètement accros euh, à ce système de l'emballage de l'emballage plastique. Or euh, finalement, l'arrivée euh, du, du plastique pour l'agroalimentaire euh, est relativement récente. Euh, je regardais il euh, y, y a quelques semaines, enfin, je, je recherchais la, la date euh, d'entrée de, sur le marché de la première bouteille d'eau en France. Je ne sais pas si, à votre avis, première bouteille d'eau de plastique. Euh, bon, la, la toute première bouteille d'eau en France, c'est en ah, 1968. Oui. Donc c'est finalement, euh, c'est finalement relativement récent et le format 50 centilitres, le format nomade, c'est la fin des années 90. Alors que pourtant, avant, on faisait du sport aussi, on avait des activités on les à l'extérieur, on allait pique-niquer. <laughs> euh, et en fait, il n'y avait pas les, les petites bouteilles d'eau. Mais comment faisaient les gens <laughs> On se demande. Non, mais fin, finalement, je trouve que c'est quelque part un petit peu rassurant euh, de se dire, euh, le, le jetable, c'est une parenthèse qu'on peut refermer. Elle est, elle est relativement récente et ça ne veut pas dire la remise en question complète de nos modes de vie, nos modes de vie et, et d'une certaine qualité de vie, euh, mais c'est juste une hérésie qu'on qu peut, enfin euh, dont on peut s'éloigner en, en réservant le plastique aux usages pour lesquels il est indispensable, parce que enfin il ne s'agit pas d'être anti-plastique euh, forcément à 100%. Il peut y avoir certains usages pour lesquels effectivement ça a une valeur ajoutée euh, très importante ou des usages médicaux, ou je ne sais quoi, euh, et justement, euh, ben bah, Réservons cette ressource qui est limitée, qui est rare et qui est polluante, mais réservons-la aux usages pour lesquels il n'y a pas d'alternative. Alors, on apprend aussi dans le livre que cette utilisation du plastique, donc comme vous le soulignez, a connu une hausse exponentielle, mais que parallèlement, les infrastructures de gestion, centres de tri, centres de recyclage des, des plastiques, n'ont peu évolué, n'ont pas suivi la même courbe, et que de plus en plus de plastique se perd dans la nature. Hein. L'auteur nous explique que 14% de tout le plastique jamais produit a été collecté pour être recyclé, et que 5% a été en fait effectivement recyclé. Euh, même dans des pays très équipés comme les le, le Pays-Bas les, les, pays ou le Japon. Donc là aussi, comment vous expliquez que, que ce traitement des déchets n'a pas suivi? C'est cher. Mmh. <laughs> Le traitement des déchets, c'est cher. Trier les déchets, trier les différents types de plastique, tout ça, c'est des choses qui sont coûteuses mmh. euh, et donc qui ne sont pas très rentables en fait. Parce que donc il y avait la Chine qui récupérait une partie des déchets recyclés, c'est ça Et on vend, voilà, c'est ça qui jusqu'en 2017, c'est-à-dire ce qu'on envoyait. c'est que à cause des systèmes de distribution mondialisés, on utilise du plastique pour que ça parvienne jusqu'à nous mmh. et on renvoie après les, mmh. les poubelles chez les, chez les autres et en particulier la Chine pendant, pendant longtemps. Euh, qui maintenant refusé, euh, qui voilà a fermé des... ses portes mmh. euh, à ça, donc ça pose des, des problèmes, parce qu'on sait plus quoi faire avec euh, avec le plastique dans certains pays. Mais gérer les déchets, il ne faut pas que ça coûte trop cher. C'est mmh. voilà, c'est euh, l'incinérateur, il a besoin de plastique pour fonctionner, sinon énergétiquement, il n'est pas euh, efficace. Mmh. Et quand on fait brûler des feuilles de salade, ça, ça marche pas très bien. <laughs> ça marche mieux si on met un peu de plastique avec. Euh, donc euh, voilà, c'est un business pour être rentable. Vous, euh, le moins y a de tri, le mieux c'est quoi Oui, cela dit, l'activité de recyclage du plastique aujourd'hui, euh, c'est une activité euh, qui attire énormément d'investissements. Public et, et privé, euh, parce que justement c'est la nouvelle le nouvel Eldorado euh, euh, pour les industries euh, de l'incinération ou de ou de, du faire enfin, du traitement des déchets, euh, parce que justement aujourd'hui ça n'est plus euh, acceptable de, de de continuer à, à, à brûler du plastique mmh. etc. Donc le recyclage apparaît comme l'alternative numéro un et les investissements sont absolument massifs dans le recyclage. Mais le problème, et on en a déjà un tout petit peu parlé, c'est que le recyclage ne permet pas d'apporter la solution complète à, à la problématique du plastique. Et notamment parce qu'une partie des résines ne sont tout simplement pas recyclables. Et, euh, et je, finalement, dans des pays comme le nôtre où. On considère que notre modèle de gestion des déchets est assez exemplaire. On accueille des délégations qui viennent visiter nos installations pour ensuite mieux pouvoir les exporter, etc. Donc malgré le fait que nous, on soit considérés comme exemplaires, il y a malgré tout des fuites de plastique dans l'environnement qui sont considérables. Parce que c'est pas que en Asie du Sud-Est. C'est des centaines de milliers de tonnes chaque année en Europe qui sont déversées dans les océans. Donc... Euh, donc voilà le, le problème. il est loin d'être réglé même pour, euh, même pour nous. Euh, et, euh, et les améliorations dans le système de gestion, où les, où, là, par exemple, pour les parisiens parmi vous, euh, on parle un peu ces dernières semaines de l'extension des consignes de tri. Euh, donc, maintenant, on peut mettre dans la poubelle jaune euh, l'ensemble des plastiques bouteilles, flacons comme avant, mais aussi toutes les barquettes, les films, etc., euh, dont on ne savait pas trop quoi faire avant. Et c'est le cas pour à, la, à peu près la moitié des Français, c'est en cours de généralisation à l'ensemble du territoire, etc. Euh, donc on peut se dire, oui, c'est chouette, on, on améliore le système, euh, euh, donc on va pouvoir mieux gérer les plastiques, etc. etc. Et alors moi j'ai un avis un petit peu plus mitigé là-dessus. Euh, je pense que cette extension des consignes de tri... Elle est positive parce que du point de vue de la simplification, parce que c'est quand même, ça va simplifier le, les règles de tri et donc ça simplifie le geste et donc peut-être que des non trieurs vont devenir des trieurs et ça c'est quand même important. Euh, par contre, il faut pas s'imaginer que parce qu'on trie tous ces plastiques, ils vont être effectivement recyclés parce que voilà le, le fait qu'on les trie, euh, ça ne veut pas dire que la filière euh, derrière existe. Euh, voilà, je ne vais pas me répéter là-dessus parce qu'on en a déjà parlé, mais euh, voilà, encore une fois, il faut prendre un peu garde à cette illusion du, du recyclage. Alors le livre nous parle aussi des, des animaux et des, je crois du, 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 des microplastiques que l'on retrouve dans les estomacs, notamment de ceux des, des requins pèlerins. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que sont ces microplastiques et les, et les conséquences de ces ingestions de, de toxines oui, en fait, euh, dans les océans, on retrouve différents plastiques et des micro particules plastiques mmh. et qui ont diverses origines. Euh, on peut parler de trois origines différentes. Il y a euh, toutes les fibres en fait, qui sont fibres issues de nos vêtements. Mmh. Quand on fait des machines à laver, euh, l'eau, elle, elle repart à un moment dans l'océan. Et en fait, beaucoup de nos vêtements sont faits à partir de matières plastiques comme le, po le polyester, polyester euh, les laines polaires, etc. Euh, et du coup, en il fait, y a énormément, énormément, énormément de fibres plastiques qui arrivent dans les océans via les eaux de lavage de nos machines à laver. Euh, donc ça ça, ça, ça fait une première source. Ensuite, il y a tous les déchets plastiques qui arrivent dans l'océan et qui vont euh, se fragmenter en tout petits morceaux. Et puis, bah à la fin, il va rester un morceau vraiment euh, très petit. 80% du plastique qu'on retrouve en mer, il vient de, de la terre, de la mauvaise gestion des déchets justement. Euh, et après, il y a aussi euh, Là, c'est un exemple un peu précis, un peu anecdotique, mais c'est euh, les microbies dans les cosmétiques, dans les dentifrices, les gels douches et euh, les gommages. Il y a euh, des microbies de plastique pour certaines marques, et donc qui finissent euh, dans nos douches et nos baignoires, et donc dans l'océan à la fin. Dans les donc, produits d'entretien aussi. Hein. Et dans, ouais. ah, le, voilà, <laughs> on n'arrête pas le progrès dans les produits d'entretien. Euh, voilà, donc il y, y a tous ces morceaux de plastique des, tout des... petits mmh. qui arrivent dans l'océan et qui euh, sont ingérés par les animaux, par les animaux et, et par toute la chaîne alimentaire c'est ça oh. qui, est, qui est hallucinant on les retrouve dans euh, le krill qui est quand même euh, une toute petite petite crevette qui est, qu est euh, oui. à la base de la chaîne alimentaire en Antarctique notamment oui. euh, on les retrouve dans euh, l'estomac euh, des poissons on le retrouve dans le sel de mer le sel marin on le retrouve absolument euh, partout est-ce qu'on a fait des études sur les conséquences de ces... Oui. Euh, bah, en fait, non. La seule conséquence, c'est qu'on sait que ça intègre la chaîne alimentaire mmh. marine. Mmh. Donc, bah, nous, si on mange des poissons ou des, des moules qui sont filtrants ou des, voilà, des mmh. organismes dont c'est le boulot d'ailleurs de, de filtrer l'océan, euh, bah, on va les ingérer. On a les PCB aussi. qui vont avec. Voilà. On en retrouve dans, dans, dans des produits alimentaires de, de consommation courante. Il y a des études qui sortent assez régulièrement euh, dernièrement sur, euh, sur l'eau, euh, tout simplement l'eau euh, euh, qu'on consomme, qu soit, que ce soit l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, il euh, y a des traces de plastique euh, et, de, et des additifs surtout qui sont mis dans les plastiques euh, qu'on retrouve dans, dans quasiment tous les échantillons. Alors le, ce livre, En finir avec le plastique, c'est un constat assez accablant, mais c'est aussi un appel à l'action oui. hein, pour faire disparaître le plastique des océans, mais surtout de nos vies et de notre planète. Alors, on va explorer un petit peu les, les solutions, <laughs> C'est de retrouver un peu d'optimisme. Quels sont les incontournables pour une vie sans plastique Comment faire la chasse au plastique dans son quotidien Peut-être comment changer ses habitudes Vous allez nous guider. Alors, je, je crois, si on regarde un petit peu l'histoire de la lutte contre le plastique, il y a eu un moment assez important aux États-Unis, je crois, quand ils ont vu que leur lac était menacé. Ils ont commencé à interdire les microbilles. Et puis ensuite, il y a eu les, les sacs plastiques. C'est des interdictions qui ont eu euh, des effets très importants en Asie, je crois en Inde. Euh, oui. Ça a particulièrement bien fonctionné. Je me demandais si l'interdiction des sacs plastiques en France, est-ce qu'on pouvait tirer peut-être un premier bilan Est-ce que ça avait euh, beaucoup participé à notre lutte Ou est-ce que c'était mitigé C'est une mesure dont on a beaucoup parlé. Euh, même si finalement euh, elle concerne une, une part très faible des emballages plastiques en général, euh, eh bien, je crois qu'en en fait chacun d'entre nous peut en tirer une sorte de bilan d'observation. En tout cas, euh, il est clair que les sacs plastiques n'ont pas disparu des magasins, simplement ils sont plus épais enfin pour ceux, pour ceux pour les magasins qui en distribuent toujours et malheureusement ils sont un peu nombreux euh, voilà ils sont un peu épais parce que c'est une des limites de la réglementation qui a été adoptée euh, les, le, les sacs plastiques sont interdits sauf s'ils sont considérés comme réutilisables et le critère qui fait qu'ils sont considérés comme réutilisables c'est qu'il faut qu'ils soient d'une épaisseur supérieure à 50 microns et donc, ça fait que maintenant, dans certaines boulangeries, par exemple, ça m'est encore arrivé euh, hier, j'ai vu, euh, voilà, euh, de, le, le sac plastique proposé aux clients qui étaient euh, juste avant moi, euh, quasiment identique à ceux utilisés précédemment, mais finalement plus épais. Donc, euh, je suis pas certaine que ce soit une très très bonne nouvelle, euh, parce que considéré comme réutilisable, etc. Donc, les, voilà, y a des, des malheureusement, l'industrie du plastique a trouvé aussi des, des solutions de contournement. Ils disent par exemple de... dans le livre que le fait de rendre voilà. les sacs payants en Indonésie a quand même entraîné une baisse de l'utilisation de 55%. Donc c'est quand même un succès de ce point de vue-là. Oui, non, mais de, en, même en France, de, de fait, il y a quand même moins de sacs plastiques en circulation et on peut s'en réjouir. On n'a malheureusement pas de statistiques euh, complètes là-dessus. Hein. Mm -hmm. C'est dommage. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il euh, y, a, y a encore, à mon avis, un petit peu de chemin à faire euh, sur, euh, sur ces interdictions et sur ces mesures françaises mm -hmm. ou européennes mm -hmm. pour que les exemptions, euh, les, voilà, les dérogations accordées soient, euh, soient, soient plus limitées que ça. Alors il y a pas mal d'exemples, il y a une province en Inde qui interdit les plastiques jetables, des îles qui ont interdit les récipients en polystyrène, bref tout le monde s'y met un petit peu par tous les angles. Est-ce que selon vous il faut essayer de limiter le plus possible à la source la production de plastique en taxant les producteurs pollueurs ou est-ce qu'il faut plutôt éduquer, entre guillemets, culpabiliser les consommateurs non, je ne commencerai pas par culpabiliser les consommateurs. Euh, très clairement, les, les entreprises ont une responsabilité énorme dans les masses de plastique qui sont produites chaque année. On s'est amusé à nettoyer les plages dans différents endroits du monde avec des équipes de bénévoles de Greenpeace. Et tous les déchets plastiques qu'on a récoltés, en fait, on a trié par marque. Mmh. On s'est amusé à regarder d'où ça venait, quelles sont les entreprises qui, qui produisent ces trucs-là. Mmh. Et en fait, on retrouve à peu près toujours les mêmes. Euh, c'est euh, voilà, les très très gros de, de l'agroalimentaire, c'est euh, Nilever, c'est Pepsi, c'est Coca-Cola, euh, Danone, euh, Nestlé, euh, Voilà, c'est toutes ces entreprises-là. Et donc c'est elles qui, qui mettent sur le marché ces, ces, ces millions de tonnes de plastique à usage unique, ces millions de bouteilles en plastique. Euh, c'est des entreprises qui marchent bien, qui ont des très bons chiffres d'affaires, qui ont des ingénieurs pleins de talent. Euh, et qui peuvent recruter des, des compétences pour essayer de réfléchir à comment vendre autrement les produits. Euh, Aujourd'hui, Coca, c'est une entreprise, son business model est euh, construit sur la bouteille en plastique à usage unique. Il est temps que ces entreprises, elles, elles mettent tout, tout, tous les talents justement qu'elles ont chez, chez, chez elles euh, pour réfléchir à comment on pourrait vendre le Coca autrement. La question, ce n'est pas qu'on ne veut pas de Coca, c'est qu'on veut du Coca sans les bouteilles en plastique avec. Euh, et donc il y aurait des, des, des modes de réflexion sur d'autres modes de distribution, euh, aller recharger, euh, avoir des distributeurs, euh, aller y aller nous avec nos contenants. Il euh, y, y a des choses à inventer. Euh, Exactement. Il y a d'ailleurs des, des, des chaînes qui sont en train de se monter de vente en vrac en France. Enfin de fontaine, remarque. Euh, de tout, plein de fontaines, remarquez. De plein de types de produits. Mais donc, les, les entreprises ont clairement une part de responsabilité énorme. Les gouvernements et euh, tous, les, tous les organes législateurs, et notamment au niveau européen, euh, ont un rôle à jouer pour encadrer tout ça. Mmh. Euh, parce que ben, voilà, c'est aussi dans quelle société on veut vivre. Euh, c'est eux qui encadrent l'action des entreprises. Et comme tu disais, les industries trouvent toujours des moyens de contourner les réglementations, trouvent toujours des moyens d'influencer les réglementations pour que ça ne nuise pas à leurs intérêts et euh, qu'elles aient le, finalement euh, euh, le moins de choses à changer. Parce que c'est comme ça que, que ça se passe bien. Donc euh, pour moi, les entreprises et les gouvernements ont un, un rôle énorme à jouer. Et nous, on a une marge de manœuvre, c'est vrai chacun dans nos vies, mmh. qu'on peut décider de, de prendre ou pas, mais on, on a des moyens. Et c'est vrai que euh, ce qu'on va acheter, ce qu'on va choisir, ce qu'on va demander aux marques, euh, ça influera aussi ce qu'elles vont faire. Et il y a quelque chose qu'on fait assez peu en France, c'est pas du tout dans notre culture, mais c'est beaucoup dans la culture anglo-saxonne, c'est d'interpeller directement les marques. Écrivez, euh, écrivez à leur service client, appelez leur service client, citez-les sur Instagram, sur Twitter, sur leurs comptes, sur leurs réseaux sociaux... De plus en plus, si on fait ça, je pense que ça va peut-être un, peu, un petit peu réagir. Mais alors, vous devez vous réjouir de la, de la décision de, de Nestlé, qui a annoncé aujourd'hui qu'en 2050 ou 2060, euh, l'ensemble de leurs matériaux euh, plastiques seront recyclables. Euh, qui travaille... 2050 20... <laughs> Je ne <te> sais plus c'est <laughs> 50 ou 60. Non, mais qui travaillait notamment une espèce de poche en, en papier imperméabilisé pour mettre euh, tout ce qui était pas liquide, mais type compote, etc., euh, qui ne soit pas polluante. Enfin, ils avaient l'air de... De faire des recherches en tout cas dans ce sens. Bah, vous doutez. En fait, moi, moi je doute <laughs> fortement parce qu'en fait, ça fait ça fait ça fait des années que que, que ces annonces successives, euh, enfin, ont été faites. Mmh. Euh, oui, oui, on sera en mesure de recycler tout ce qu'on met sur le marché euh, d'ici. Euh, 2020, 2025, 2030, mmh. l'horizon s'éloigne un petit peu, parce qu'en fait, pour l'instant, ils n'en sont pas capables. Mmh. Donc, euh, donc, oui, je doute fortement. Et en fait, le, les, les grands noms de l'agroalimentaire ont chacun fait ce type d'annonce euh, ces derniers mois. Euh, parce que, oui, là, la, la mobilisation et le fait que ce soit un sujet euh, qui touche les gens, forcément, ça les touche aussi. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils se sentent obligés de réagir. Euh, par contre, euh, je, oui, je ne suis pas convaincue de, du tout de, de ces annonces, puisque pour l'instant, les, les, les technologies ne sont pas tout à fait abouties pour mmh. permettre un recyclage euh, à l'infini de, des bouteilles plastiques. Et. Nous, les experts qu'on rencontre euh, les, de, 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 du plastique, nous disent mais n'est même pas certain du tout qu'on qu puisse y arriver un jour en fait. Mm -hmm. Donc en fait, on se, on se repose sur l'idée que la technologie va, va progresser et qu'on va pouvoir euh, in fine et trouver une solution. Sauf qu'on en, en attendant, on perd des années précieuses. Mm -hmm. en, en attendant, il y a ces, ces centaines de milliers de tonnes qui continuent. Etc. Donc nous, notre, notre point de vue, c'est qu'il qu faut couper le robinet. Euh, et que bah, le jour où ils auront trouvé des solutions de recyclage pour les, pour les, pour les résines qui ne sont pas recyclables notamment, et ben, euh, on envisagera une remise sur le marché, mais en attendant, il faut qu'à minima, celles qui ne sont pas recyclables soient, soient interdites. En fait. Alors, la législation a avancé au niveau je crois, des, des pailles, il y a des décisions là, qui ont été prises pour les pailles jetables qui étaient interdites dorénavant. Alors, en fait, il y a une, 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 une série d'interdictions qui, qui ont été prises. Alors, au niveau français, ça a commencé avec les sacs plastiques, les microbilles, les cotons-tiges. Ça, ça date déjà d'il y a deux, trois ans. La loi de transition énergétique, la loi de biodiversité, etc. Et là, cette année, il y a eu un nouveau mouvement d'interdiction. Cette fois-ci au niveau européen, donc ça c'est vraiment chouette parce que euh, on, on élargit et enfin on élargit en termes de, de, de pays, mais on élargit aussi la liste. On allonge la liste. Et, et donc là, les, les toutes nouvelles interdictions de cette fameuse directive sur le, le plastique à usage unique. Euh, première en, en son genre. Enfin, déjà, c'était quand même un, un, une belle étape que la, la Commission européenne publie plusieurs documents sur la pollution plastique et, et atteste que c'était une priorité et que, la, et que le recyclage ne pouvait pas être la seule solution. Déjà, un gros, pro, gros progrès dont on peut se réjouir. Et puis, euh, des, des interdictions complémentaires portant, euh, oui, sur, le, sur les pailles, sur les couverts, euh, sur le, 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 les boîtes euh, de vente à emporter, euh, mmh. sur le, le, le polystyrène. Donc, euh, petit Je crois que à, image à petit. De la de la tortue qui avait une paille dans, le, non, dans la narine, elle oui. fait le, le tour du monde. Et oui, et bien, on petit choqué. à petit, on, on, on sort un peu de l'anecdotique. C'est-à-dire oui. que si c'est que les pailles, c'est important, bien sûr, mais, euh, oui. mais c'est quand même un petit peu limité. Donc, il faut, il faut aller un petit peu au-delà. Ouais. Alors, Will, Will McCallum dit que le prosélytisme est très important. Qu'il ne faut pas hésiter à en parler en famille, avec ses, en, avec ses amis, et puis peut-être à aller voir par exemple des commerçants dont on voit qu'ils suremballent euh, les fruits et les légumes pour agir, euh, comme vous dites, interpeller les, les entreprises. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'être euh, efficace, de, de, de faire avancer la, la cause, selon vous mais En fait, je pense qu'on a peut-être tous des barrières euh, inconscientes où on ne va pas forcément dire euh, :« Mais non, mais je ne suis pas d'accord, en fait. » Et alors que bah, ça coûte rien. Et puis si c'est dit poliment, euh, courtoisement, il n'y a pas de raison que, que ça pose problème. Et plus un commerçant, plus une marque va recevoir ce type de message, plus il va être enclin aussi à, à faire évoluer les choses. Et ce qui est intéressant dans, euh, pour l'aspect commerçant de quartier, c'est que c'est des gens qu'on connaît éventuellement, chez qui on va plusieurs fois par semaine, on a une relation peut-être un petit peu privilégiée, alors que bon, cas, c'est vrai que c'est un petit peu loin. Euh, et donc, il euh, y a un dialogue qui peut s'instaurer euh, de manière euh, peut-être plus naturelle, euh, voilà. Et il faut surtout pas hésiter, en fait, et puis peut-être à venir avec vos contenants et dire, bah non, bah aujourd'hui, regarde, j'ai amené une boîte. Euh, est-ce que, est-ce que ça te va si tu me remplis, euh, si tu mets ça dans, dans ma boîte ou vous... euh, Moi, j'ai des collègues qui le font euh, pour le déjeuner. On a, voilà, on a nos contenants et on va euh, chez les, les commerçants du coin avec nos contenants. Je te laisse la parole, mais vous aviez lancé une initiative auprès des commerçants avec Zero Waste pour faire ça justement Oui, euh, on a, on a, ça, fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cette, euh, cette question des commerces de proximité et de la vente à emporter. Euh, et, euh, et ce qui est positif, c'est qu'autant il y a, a 5-6 ans, c'était encore très compliqué de porter ce message auprès des commerçants, autant aujourd'hui, euh, on sent qu'il y, y a eu un changement et, et, et que en fait probablement les clients eux-mêmes sont, sont de plus en plus nombreux, alors réclamer un autre mode de, de, de distribution. Et donc, euh, et donc, le massage passe quand même mieux. Et effectivement, on a... On a notamment cette initiative de, de commerce zéro déchet euh, qui est relayée au travers des, des 50 groupes locaux de Zero Waste France euh, qui ont été euh, du coup nombreux à aller sur le terrain référencer les commerçants qui acceptaient les contenants personnels mmh. euh, et chez qui, de, donc avec un autocollant qu'ils mentionnent en vitrine pour, euh, pour que ce ne soit pas. Euh, Dur de leur demander, enfin pour faciliter la, la tâche aux clients et puis surtout pour partager la démarche, pour la rendre visible et pour inciter évidemment les euh, de plus en plus de clients et de plus en plus de, de commerçants à adopter ce, ce geste qui est relativement simple. Après, le livre fait tout un, tout un guide pour nous donner des conseils pour limiter la place du plastique chez nous, hein, dans nos maisons et pas qu'auprès des commerçants, pièce par pièce. Alors il y a, euh, entre autres, prendre plutôt des flacons rechargeables, euh, voilà, éviter les cosmétiques avec des microbilles, euh, dans la chambre, euh, oui, éviter les, les vêtements qui ont des, des fibres, euh, donc, comme vous disiez, polystère, etc. Euh, pareil, dans la cuisine, euh, éviter les, le plus possible les contenants. Euh, ah oui, il y a les fêtes d'anniversaire <laughs> qui sont très, très gourmandes en, en produits à, à usage unique. Alors peut-être... Vous, dans, dans votre vie quotidienne, est-ce que vous auriez un ou deux conseils à donner au public de, de ce qui vous semble peut-être le plus, là aussi, le plus efficace, ce qui utilise le plus de plastique et ce qui peut être le, le, le plus facilement changé dans nos, dans nos habitudes de, de mode de vie Alors, je réfléchis à chez moi, ce que je fais concrètement, ce que je me suis posé la, les questions en lisant le, le bouquin de Will. Euh, alors, c'est sur le jetable en général. Bon, sur le plastique, moi, j'ai viré tous les contenants plastiques de la... Cuisine et je suis passée au beaucoup en verre que je récupère en plus qu'on achète genre de la compote ou, ou je sais pas euh, Donc, de la confiture vos, vos ou quoi euh, les... voilà on peut euh, mettre dans, dans les bocaux acheter en vrac ce qui peut être acheté en vrac ne pas utiliser de sac plastique avoir un sac euh, pour faire les courses c'est sûr après dans la salle de bain euh, je suis passée au savon euh, voilà à l'ancienne <laughs> pas de gel douche euh dans savon un dans, voilà savon solide et j'ai pas de j'utilise pas de lingette démaquillante ou même de coton j'ai des des petits comment dire je sais pas comment on appelle ça des cotons euh, lavables ouais, bancs, euh, des petits gants, ouais alors... on, on, non c'est pas des gants c'est comme des des carrés en fait de tissu comme une, une serviette éponge et derrière c'est du coton et voilà on les lave on les démaquille et on les lave quand quand il faut les laver donc voilà Très bien flore oui, bah, en fait, finalement, au niveau de la vie quotidienne, c'est ça, les, les deux principales sources. Une, une gourde, j'imagine. Euh, oui, pas de bouteille en plastique. Oui, ouais, au, au du robinet, etc. Euh, en fait, c'est au moment de faire ses courses euh, que, que tout se joue. Hein. Donc, euh, donc, ça demande un tout petit peu d'anticipation. Euh, pas forcément de se trimballer 15 bocaux en verre parce que en plus dans le métro c'est quand même pas pratique hein euh, mais euh, tout simplement d'avoir des petits sachets à vrac euh, avec soi euh, qui sont en coton ou qui sont enfin en mousseline assez légère euh, ça ça permet de, du coup de voilà tout simplement de, de, de supprimer une grande partie des sachets euh, divers et variés parce qu'il faut pas voilà c'est ce serait dommage de remplacer du jetable par du jetable, de remplacer du plastique jetable par du craft jetable, etc. Donc, euh, donc le meilleur moyen, c'est quand même d'avoir euh, le minimum d'équipement pour pouvoir euh, être 100% réutilisable. Euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, faire la chasse à tous ces objets jetables, cette fois-ci pas les emballages, mais les objets à usage unique. En fait, on peut en commencer par faire la liste peut-être de, de ce qu'il y a chez soi et qui est à usage unique, euh, parce que c'est une première manière de se, se représenter la quantité, euh, et, puis, et puis un à un, sans forcément chercher à, à supprimer tout d'un coup, mais un à un, essayer de trouver les alternatives. Euh, et les alternatives, euh, penser aussi euh, à les récupérer euh, sur le bon coin, sur, enfin, en, en d'occasion, etc. parce que parce qu'il faut aussi penser à, à l'impact qu'ont les objets neufs euh, qu'on achète dans les magasins. Bien sûr. Bon, va bah Hélène et Flore, merci beaucoup. On va donner la parole au public pour les questions maintenant. <laughs> questions dans la salle. oui Bonjour, merci. Euh, en fait, c'est une question d'ordre pratique. Vous avez dit que vous aviez, par exemple, enlevé tous les objets plastiques de votre cuisine. Mais ces objets, ils existent. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on en fait après Alors, j'ai pas, pas tout, gardé... euh, oui. tout enlevé. J'ai juste remplacé les tupperwares en plastique par des bocaux en verre. Donc, mmh. je fais pas mes courses avec. C'est juste pour stocker les. Mmh. Les choses. Euh, en fait, euh, je les ai, ai égarées au fil du temps, mais, mes tupperware en plastique que j'utilisais pour aller au boulot, pour manger, enfin prendre mon déjeuner avec moi. Euh, je les ai oubliées là-bas, je les ai pas retrouvées, etc. Donc au fur et à mesure, euh, il a fallu que je rachète. Enfin, j'étais dans une position où j'avais besoin de racheter des, des contenants. Et donc, j'en ai pas racheté beaucoup. J'ai utilisé ces pots de récup en verre. Et euh, là, j'ai acheté des. des, des, des ce n'est pas des tuberwares, du coup, mais en verre. Voilà. Parce que l'idée, c'est de. On en a tous, des choses en plastique. S'en ouais. débarrasser d'un coup, ce n'est pas forcément la bonne idée. Non, c'est pas tout du mettre temps. à la poubelle. Non, non, gardez, si, si ce n'est pas du jetable. Encore une fois, la, je pense que le, la première marche à gravir et la priorité, c'est d'essayer de ne plus utiliser tout ce qui est à usage unique. Vraiment, ça, c'est. Et de réfléchir à ce que tu disais, euh, Flor, on fait la liste en fait. Prend, bah, dans le bouquin, c'est super bien fait, il y a déjà des tableaux avec, euh, vous pouvez juste remplir, etc. Réfléchissez à combien de temps vous utilisez l'objet en question. C'est assez vertigineux. Bonsoir. Greenpeace a fait une liste très intéressante qui s'appelle Cosmetox. Il y a eu aussi une autre sur les produits avec OGM. Tout à l'heure, vous avez évoqué le sac à dos écologique et je me dis que est-ce qu'on pourrait pas aussi dresser une liste avec une fiche d'identité de chaque, enfin, de la plupart des produits qui sont extrêmement polluants qu'on trouve dans le commerce, de par leur mode de production En fait, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire là-dessus il faudrait faire ce travail finalement pour tous les objets qui nous entourent euh, et le travail qu'a fait Greenpeace sur les cosmétiques euh, et sur sur les produits électroniques aussi etc il est hyper précieux il euh, y a d'autres institutions aussi euh, l'Ademe par exemple il euh, y a pas mal de sources d'informations, mais malheureusement euh, certaines données elles sont quand même très compliquées, très coûteuses à produire. Par exemple, nous, on, on s'intéresse beaucoup à, à, au sac à dos écologique des, des objets, notamment même des biens durables, pour voir justement euh, l'impact des, des objets neufs. Et, euh, et heureusement qu'une qu institution publique comme l'ADEME, l'Agence de, de l'Environnement, euh, s'est saisie de la question, parce que nous, on n'aurait pas été en mesure de, de produire une analyse de cycle de vie pour 45 objets de la vie quotidienne, comme ils l'ont fait. Euh, et elle a été publiée en septembre. Je, je, vous, je vous y renvoie aussi, parce que c'est extrêmement intéressant. On se rend compte que, par exemple, derrière un micro-ondes qui pèse 10 kilos, un micro-ondes environ, il y a 2 tonnes de matières premières qui ont été consommées. Pour le produire, etc. Et donc, ils ont fait ça pour 45 objets. Euh, mais voilà, en fait, c'est un, un boulot énorme, ça, ça a pris deux ans à l'Ademe avec un bureau d'études etc, etc. Euh, et c'est clair que euh, ça c'est des choses qui sont alors Greenpeace est un peu plus gros que nous <laughs> on a une taille un peu plus modeste mais malheureusement c'est n'est pas dans nos dans nos moyens tout simplement d'arriver à produire de la donnée on, on peut la réutiliser et la synthétiser mais euh, là dessus on a il y a besoin de financement un petit peu plus important J'ai cru entendre parler de, récemment d'une mesure qui viserait à réduire les produits à obsolescence programmée. Et du coup, euh, par exemple, un micro, quoi que ce mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Comment on interpelle les, les, les producteurs pour leur dire euh, enfin, qu'est-ce qu'on qu peut faire pour que ça change Et Est-ce que c'est vraiment possible Comment, en fait, on est arrivé à des produits qui durent moins longtemps euh, en bowling. parce qu'en fait, avant, ça marchait super bien. On est venu au jetable et à l'usage unique pour nous simplifier finalement la vie. Mais finalement, quand on regarde, les choses existaient déjà avant et c'est juste un pas en arrière, en effet, à refaire. Mais dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on peut faire exactement Parce que je pense que ça représente un volume assez faramineux. Oui, c'est un très vaste sujet qu'on aura du mal à Il faudrait peut-être organiser une soirée. Dédié à ça, parce que c'est un, un sujet important et, et qu'on peut difficilement résumer en trois minutes, mais euh, effectivement, vous avez raison, l'obsolescence programmée est désormais un délit en France. Donc, il euh, euh, y a eu plusieurs étapes. Hein. Déjà, le, le fait de faire connaître cette notion d'obsolescence programmée, on on, c'était notre chantier il euh, y a dix ans euh, au Clinic, et puis ensuite de, de faire euh, reconnaître ça en tant que, euh, que problème puis euh, en, en faire un, un, un délit euh, juridiquement euh, euh, enfin, opposable. et le problème, c'est que aujourd'hui, donc, c'est dans les textes juridiques, mais euh, c'est quand même très difficile à prouver et donc à, à, à utiliser euh, ce que ce qu'on qu peut faire nous chacun, c'est ce qu'évoquait euh, euh, hélène, c'est interpeller directement les marques. Parce que, euh, parce que bien sûr, l'action juridique, ben, c est, c est quand même, euh, ça demande un petit peu plus de, de moyens et, et d'expertise. Mais par contre, interpeller les marques sur la durée de vie de leurs leur produits, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut petit à petit faire évoluer leurs pratiques donc, interpeller les marques, ça veut dire quoi? ça veut dire signaler euh, un élément, un cas d'obsolescence programmée, si vous, en, si vous y avez été confronté. mais ça peut être aussi leur poser la question, euh, quelle est la durée de vie prévisionnelle de tel ou tel objet, parce qu'ils sont en mesure, en fait, de, 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 de donner cette information. vous pouvez aussi leur demander, quelle est la durée de disponibilité des pièces détachées pour pouvoir réparer cet objet? ou quelle... Euh, voilà, etc. Et toutes les conditions qui font que l'objet va pouvoir être réparé, va pouvoir avoir plusieurs vies, etc. Et, euh, et les, les pousser dans cette direction, c'est super important. Bonsoir. Euh, je voulais revenir sur le problème, en fait, des, euh, donc des restaurants avec euh, où on peut aller prendre à emporter. Et euh, moi, je travaille dans le sentier. Et donc, bah, des restaurants comme ça, on en a beaucoup. Et je fais la guerre à mes collègues qui vont manger chez le japonais et qui, donc, pour leur repas, ont déjà quatre emballages en plastique pour la soupe, la salle de choux, etc. Et et vous disiez que vous aviez fait un travail de proximité avec certains, euh, certains restaurants ou certains magasins. Mais moi, dans le sentier, en tout cas, je n'ai pas connaissance de ça. Et euh, j'aimerais savoir s'il est possible, en fait, de. Enfin, nous, à notre échelle, moi, je veux bien aller les voir et leur dire voilà, est-ce que vous avez la possibilité de nous servir Moi, j'y ai pensé à prendre mon propre Tupperware parce qu'il y a des jours où j'ai la flemme de cuisiner, je suis crevée, le soir, j'ai un truc de prévu, je peux pas prendre mon Tupperware. Et d'aller les voir avec mon Tupperware qui en, est en, en, en verre, donc vide, et leur dire est-ce que vous pouvez le remplir, s'il vous plaît Mais est-ce que. Enfin, comment on peut, nous, être, euh, je veux dire, actifs euh, dans ça eh ben exactement comme ça, oui, c'est euh, exactement la bonne manière de procéder parce qu'en plus, si vous êtes euh, en plus une, une cliente régulière, ils seront d'autant plus sensibles à, à votre message. Et pour vous aider, euh, nous, nous, on peut vous fournir des, des argumentaires, enfin, on a un petit kit euh, euh, qui peut être présenté au commerçant pour lui expliquer que déjà, c'est... OK d'un point de vue réglementation, hygiène, etc., si c'est fait dans les bonnes conditions pour le rassurer. Euh, et puis, euh, vous pouvez vous fournir auprès de nous, auprès de, 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 de nos groupes locaux, euh, des autocollants euh, de, dont je parlais tout à l'heure pour permettre aux commerçants de l'afficher, de valoriser sa démarche. Euh, et puis en plus, certains de nos groupes locaux euh, font des petites communications ciblées aussi pour valoriser encore plus le commerçant euh, en diffusant sur les réseaux sociaux, voilà, tel nouveau commerçant euh, accepte maintenant les les contenants, et c'est vrai que c'est le genre de communication supplémentaire auxquelles ils peuvent être éventuellement sensibles. Alors c'est peut-être moins le cas euh, dans euh, les, les, euh, les, les, les secteurs euh, dont, dont vous parlez, où peut-être que de toute façon il y a l'affluence euh, dont, dont ils ont besoin, mais, euh, mais en tout cas ça peut être des, des éléments qui peuvent vous aider dans votre démarche. Alors le site, interne, le, le nôtre c'est zerowastefrance.org Et les, et les commerçants zéro déchet, enfin les, les commerçants, oui, enfin en tout cas qui, qui acceptent les contenants personnels, ils sont plutôt référencés sur chaque, le site de chaque groupe local. Donc, par exemple, sur le site de Zero S Paris, vous devez pouvoir retrouver la, la liste. Voilà. Oui, bonsoir. J'ai une question. Euh, bon, Certaines startups ou industriels travaillent sur euh, du remplacement de, des contenants de plastique euh, à base d'algues. Il y a aussi d'autres euh, technologies à base de, de bactéries mangeuses de, de plastique. Est-ce que ça vous donne quelque enfin, quel espoir Quel est votre avis là-dessus il y a en effet tout un tas de, de travaux qui ont cours et même de, de produits qui sont sur le marché pour essayer de substituer le plastique qui est du pétrole, puisque le plastique c'est du pétrole, il hein, faut, faut quand même s'en souvenir, euh, pour faire du plastique à base de différentes choses, de l'amidon de maïs, euh, des algues. Il euh, y a, y a différents, euh, différentes options. Euh, le problème c'est qu'on n'adresse pas finalement euh, la question qu'on met sur le marché des objets qui vont, dont la durée de vie va être de quelques secondes. On reste dans une philosophie euh, du jetable, euh, de, voilà, j'achète, je consomme pendant 5 secondes, je jette. Donc en fait, finalement, malheureusement, on ne répond pas à cette question. Euh, on essaye d'adresser la question de la pollution. Mais alors là, on va retomber sur d'autres questions, parce que tout est lié, c'est toujours pareil. Euh, si on utilise des plantes qui devraient nourrir les hommes pour faire des sacs jetables, je ne suis pas sûr qu'on résout la bonne équation. Et, euh, et donc voilà, le problème de tous ces bioplastiques, c'est que c'est à base de, de végétaux et de plantes qui euh, devraient être destinés à la consommation humaine avant tout, ou ne pas prendre la place. Euh, de terres qui sont cultivées pour nourrir les hommes. Voilà. J'ajouterai que leur biodégradabilité euh, n'est pas euh, pour l'instant avérée, dans tous les cas. Euh, que la plupart du temps, ce qu'on appelle le bioplastique euh, biosourcé, euh, il n'est que partiellement biosourcé cest que euh, voilà, en fait, c'est pareil. Il y a énormément d'effets d'annonce là-dessus. Euh, oui, euh, bonne nouvelle, on a trouvé la solution à un nouveau plastique à base d'algues. Euh, mais, euh, mais voilà, il faut voir que aujourd'hui, ce, ce que l'agroalimentaire le, arrive à utiliser comme bioplastique, n'est clairement pas du 100% biosourcé, parce qu'ils ne savent pas encore le, le, le faire. Donc voilà, il faut vraiment faire le, le tri déjà dans, dans les effets d'annonce. Est-ce euh, que l'autre le, point que vous évoquiez sur les, les, les nouvelles technologies de recyclage part, euh, grâce à des, euh, des, euh, des bactéries, etc., euh, c'est extrêmement embryonnaire pour l'instant. Euh, et les perspectives d'industrialisation euh, sont, sont, sont quand même extrêmement réduites parce que le coût de ces technologies est pour l'instant extrêmement élevé. Donc à horizon 5 ou 10 ans, c'est absolument pas une solution. Or, encore une fois, nous, on ne raisonne pas à horizon 2050 ou 2060, hein, parce qu'on parce qu ne peut pas attendre jusque-là, c'est hors de question. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, pour l'instant, ça, ça ne semble pas être une, une solution euh, satisfaisante en tout cas. Et on parle beaucoup de ces, de ces nouvelles machines aussi pour dépolluer les océans. Là aussi, on n'est pas à la source du. Non, on ne résout, résout, pensez... résout pas le problème. Alors, c'est vrai qu'on euh, ne va pas non plus euh, casser du sucre sur le dos des, de ces personnes qui déploient une énergie euh, euh, extraordinaire pour essayer de, de résoudre un problème. C'est plutôt. En plus, de, une des personnes qui est connue pour ça, c'est un jeune ado néerlandais qui a eu cette idée quand il avait 16 ans. Il y avait un côté très attachant, très. Euh, voilà. Euh, malheureusement, sa machine s'est cassée, là. Bah hier ou il y a quelques jours. Euh, et du coup, euh, bah elle a dû être remorquée à Hawaï et tout le système qu'il avait inventé, les 40 millions d'euros qu'il avait réussi à lever auprès de différentes entreprises, etc., pour investir dans cette machine. Euh, bon, bah voilà, ouais. ça ne fonctionne pas comme, euh, comme il voulait. Donc, euh, je dirais en plus, ça ne marche pas, le pauvre. Mais ce n'est pas, pas, pas la, la bonne, bonne façon de prendre le, le, le problème, ouais. de toute façon. Ouais. D'accord. Ouais, en fait, il y a une question de quantité aussi. En fait, euh, la quantité qu'on arrive à capter par ces différents projets, parce qu'il y en a beaucoup, mmh. elle est quand même très faible. Et, euh, et ce serait intéressant si par ailleurs on avait coupé le robinet. Mais comme on n'a pas coupé le robinet, qui est par ailleurs une quantité dix fois, cent fois, mille fois plus importante qui continue à être déversée, mmh. c'est là que ça, 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 mmh. ça n'est pas suffisant. Ouais. Euh, moi, j'ai une double question mais qui fait le, le lien avec ce que vous venez juste de dire justement sur le plastique qu'on trouve dans les océans. Euh, on a vu un reportage il y a pas très longtemps sur le Bangladesh et les gros problèmes de, de traitement des déchets euh, là-bas. Il euh, y a beaucoup de ce plastique qu'on retrouve dans les océans qui provient de pays qui déversent euh, littéralement leurs déchets dans la mer, plastique ou autre. Est-ce que euh, vous avez l'impression que dans ce cadre-là, il y a des initiatives euh, à l'échelle internationale pour euh, contraindre et/ou aider financièrement ces pays à se doter euh, des moyens de traiter leurs déchets et ma deuxième question euh, était justement sur le nettoyage des océans. Donc, euh, je ne savais pas que ce projet avait échoué. Euh, mais malgré tout, même si ce n'est pas du tout une solution, évidemment, euh, est-ce qu'on ne doit pas un jour quand même nettoyer les océans de tout le plastique qu'ils contiennent Parce qu'il euh... enfin, ne disparaîtra pas. Hein, parce que la chaîne va continuer d'exister de, euh, comme ça. Euh, est-ce que euh, vous pensez qu'un jour, on aura une initiative internationale pour. Euh, nettoyer les océans avec des moyens qui permettraient réellement de le faire Sur la première partie de la question je dirais que le meilleur moyen d'aider ces pays à ne pas déverser les tonnes de plastique les tonnes de déchets d'une manière générale ce serait d'arrêter de leur envoyer du plastique parce que pour l'instant c'est quand même le cas c'est tous les pays occidentaux qui envoient alors soi-disant pour recyclage leur plastique euh, en Asie du Sud-Est. Euh, et, depuis, et depuis que la Chine a fermé ses frontières, c'est encore plus euh, préoccupant parce que du coup, c'est les pays frontaliers de, de la Chine euh, qui, euh, qui réceptionnent ces tonnages euh, avec des, des infrastructures qui ne sont pas présentes. En fait, des, des, des usines de recyclage qui sont un peu improvisées euh, et, et, donc, et donc un vrai, euh, un vrai déversement euh, dans la nature, enfin pré préoccupant. Euh, donc je dirais que peut-être que la première étape, avant même des, enfin ou alors en parallèle bien sûr, de débloquer des fonds pour, pour accompagner ces pays, ce serait de. Oui, oui bien sûr. Oui, oui leurs déchets à eux. Oui, mais mais ce que je veux dire, c'est que c'est que nous, peut-être que notre première responsabilité, ce serait d'arrêter de, de leur envoyer des déchets en plus. Parce que, parce que quelque part la saturation de, leur, de leurs installations elle vient peut-être de, de là aussi. Et donc euh, il y a peut-être un, un accompagnement à envisager et des fonds à débloquer euh, de, pour pouvoir accompagner euh, l'amélioration des modes de gestion dans, dans ces pays. Mais, euh, mais déjà si nous on développait les installations pour gérer nos propres déchets plastiques, euh, ça permettrait de ne pas alourdir la charge de leur côté. Et, euh, et je ne me rappelle plus de la deuxième la partie. La deuxième direction. partie, c'est est-ce qu'il y aura une initiative internationale euh, pour financer euh, le nettoyage, la dépollution des océans Il euh, y a beaucoup de, de sommets internationaux qui, qui voient le jour sur la question des océans. C'est quelque chose où le leadership international et, le, euh, et voilà, le, comment dire, la communion des États autour de grandes causes, etc. Il y a des choses qui se passent, il y a des, voilà, des, des, des grands messes qui sont organisés, mais il n'y a pas grand-chose qui en sort de concret, malheureusement. Donc de là, à avoir une initiative sur le financement du nettoyage des océans, je ne sais pas. Il y, a, il y a une initiative en parallèle qui, elle, pour le coup, est menée par les Nations Unies, qui vise à négocier un traité pour... protéger la haute mer. La haute mer, c'est ce qui est au-delà de nos juridictions nationales. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé une certaine distance de nos côtes, on n'est plus chez nous. C'est chez tout le monde et chez personne. Et la question se pose de savoir comment on gère cette, ce, ce lieu, ces, ces eaux internationales, euh, comment on se met d'accord pour les protéger, organiser les activités là-bas. Déjà, pour que les États négocient là-dessus, ça a pris dix ans pour qu'ils se mettent d'accord sur le fait de négocier. Et là, ils ont commencé à négocier en septembre dernier. Et en théorie, ils sont censés essayer de... De trouver un accord en avril 2020. Bon, ça, c'est qu'on est optimiste. Du coup, euh, et ça, c'est très englobant. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une initiative hyper spécifique sur euh, tous les États qui vont se réunir et qui vont dire, bien sûr, on met un billet sur la table et on va nettoyer les océans. Je ne pense pas que ça va se faire comme ça. Par contre, il y a des choses intéressantes qui se passent du côté de la société civile et des ONG, parce que depuis. Deux ans maintenant, euh, il y a une initiative qui rassemble l'ensemble des, des ONG internationales qui travaillent sur la question du plastique pour essayer de coordonner le travail, tout simplement, qui s'appelle Break Free from Plastic, c'est un peu compliqué à articuler, BFP, euh, et qui justement vise, enfin, à, à, à faire de la euh, de la question du plastique une une question globale et ne pas juste l'envisager le, euh, pays par pays ou organisation par organisation, mais c'est Coordonner un petit peu tout ça. Et euh, donc Greenpeace en fait partie, nous on en fait partie aussi bien sûr. Et c'est très intéressant de voir enfin, rien que les échanges entre nos différentes ONG et puis les échanges avec justement ceux qui travaillent en Asie du Sud-Est en particulier. C'est extrêmement important et intéressant parce que ça nous permet aussi de décrypter des stratégies à géométrie variable de des entreprises en face. Euh, parce que le discours qu'on nous tient euh, en France, c'est pas le même, enfin pour, pour certains, certaines marques, euh, c'est pas le même que celui qui est tenu euh, là-bas. Et donc le fait d'arriver de, de, à faire cette coordination de la, la société civile, ça permet aussi de, de mettre en lumière ces différences et de demander que les règles du jeu soient les mêmes partout, en fait, et qu'il n'y ait pas cette double, euh, ce double niveau d'exigence de, environnementale euh, qu'on qu observe un peu trop souvent pour l'instant. Alors, bah, Flore, Hélène, merci beaucoup. La conférence est terminée. Merci. Euh, je, voulais, merci euh, je voulais rappeler que les magasins Nature et Découverte vont traiter en mars du thème du zéro déchet à travers toute une série d'objets, entre guillemets, intelligents et non jetables, comme des gourdes de charbon, des pailles en métal, des composteurs, des cosmétiques solides. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le 21 février pour une conférence sur le bio à qui faire confiance et le témoignage d'une famille qui a vécu deux ans sans se rendre au supermarché. Merci beaucoup. Merci.